entre deux équipes anglaises, deux teams anglaises de la même équipe. Ça charge de tous les côtés. Oh, deux doubles chutes d'affilée. Ashley Sanders, you are a yellow card because the piece of armor it's not historic. Alors, ils sont un contre un pour vous, mesdames et messieurs. Vous pouvez le voir, les deux combattants anglais sont complètement épuisés. Ah si, poussé, il a fini en sol. Il arrive à se redresser malgré tout et pourtant il retombe. Il est envoyé au sol. Victoire 1-0 pour l'UK. Et c'est reparti, mesdames et messieurs, pour ce deuxième round. Alors, première chute des combattants de l'UK Federation 2. Double chute, toujours avantage UK Federation 3. Une autre chute diffusée du côté de l'UK Federation 3. Les Anglais semblent particulièrement fatigués du fait du dernier round. Un autre combattant de UK Federation 3 envoyé au sol. Une autre double chute. Deux contre un. Il arrive à se dégager, le plein du fait de son arme, c'est qu'il ne peut pas se débrouiller en étant aussi près et fini au sol. Victoire de l'UK Federation 2-0. Oui. Alors, pour le moment, les combattants, bien sûr, ici, la regroupement assez important se forme de ce côté-là. Qu'est-ce qui va tomber? Déjà, une double chute effectuée, côté combattant. Petite charge sur le dos de son adversaire, il ne suffit pas à le faire vaciller. Une autre chute. Les combattants sont à bout de souffle, mesdames et messieurs. Une autre chute. Là, c'est le combattant de chaque équipe. Les deux seuls aussi sont un contre un, mesdames et messieurs.
Victoire 1-0 pour UK Fellowship Street qui remporte ce match.